Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui je vous présente une petite recette de shawarma au poulet avec différentes épices accompagnées de pain tortilla grillé. Alors pour les ingrédients, on a besoin de poulet donc coupé en petites tranches. Donc moi j'ai choisi donc la chair des cuisses, mais on peut choisir du blanc de poulet. On a besoin de vinaigre, d'huile d'olive. Une cuillère à café de tomates concentrées, une cuillère à soupe de sauce soja, deux gousses d'ail hachées, une cuillère à soupe de mélasse de grenade, donc on la trouve dans les épiceries orientales, deux galettes tortilla, deux cuillères à soupe de yaourt nature et des épices. Donc je vous mets dans la description la quantité des épices. Donc il faut de l'ail séché, du thym, du poivre noir, du piment ou du paprika si vous n'aimez pas le côté piquant, un petit peu de cannelle, du curcuma, un peu de curry, du gingembre, trois graines de cardamome, une feuille de laurier et enfin trois clous de girofle. Donc ça fait beaucoup d'épices effectivement, mais c'est ce qui donne le bon goût de la shawarma. Dans un récipient, on va déposer deux bonnes cuillères à soupe de fromage blanc. Donc là, c'est un fromage de type grec, fromage grec. On ajoute ensuite l'ail. La tomate concentrée. La mélasse de grenade. La sauce soja. On va ajouter ensuite deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc à défaut, si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous pouvez utiliser une huile neutre de tournesol par exemple. Et on ajoute également deux cuillères à soupe de vinaigre. On peut bien sûr remplacer le vinaigre par du citron, un demi-citron. On intègre les épices. Et on va bien bien mélanger la marinade pour ensuite la mettre sur le poulet. On ajoute un petit peu de sel, pas trop parce que la sauce soja est déjà très salée. Et la marinade qu'on va mettre avec le poulet au four va réduire et bah, même si vous mettez un petit peu de sel, bah, vous allez le sentir quand même. Une fois la marinade et le poulet bien mélangés, on va les couvrir avec du film transparent et les laisser reposer pendant 1 heure ou 2 au frigo. Dans un plateau de four, on dépose le poulet mariné et on va le laisser cuire pendant 20 à 25 minutes à 220 degrés environ. Donc bien sûr, vous ajustez la température en fonction de la cuisson du poulet. Donc vous le surveillez de temps en temps. Et si vous n'avez pas de four, bah vous avez l'option poêle tout simplement. Vous faites cuire le poulet à la poêle. Ensuite, on passe à la préparation des petits pains tortilla, donc grillés au four. On va tout simplement les couper en petits morceaux, donc en petits carrés. On va ensuite les déposer dans un plateau de four. On ajoute ensuite environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on va bien bien mélanger les petits morceaux de pain avant de les mettre au four pendant une dizaine de minutes. Alors attention, on les surveille parce que ça a tendance à dorer très très vite. Et voilà le résultat. Voilà, donc les petits pains sont prêts. On récupère notre poulet, on va le mélanger. Donc comme vous le constatez sur la vidéo, ben, il y a un petit peu d'eau, mais qui va réduire petit à petit. On termine par le dressage de l'assiette. On va déposer tout simplement le poulet au milieu de l'assiette. On ajoute ensuite l'accompagnement. Donc moi personnellement, je l'ai accompagné de salade verte, mais on peut l'accompagner de frites, voire de pommes de terre au four, d'autres légumes. Certains l'accompagnent même de riz parfumé.
On ajoute les petits pains tortilla grillés. Un petit peu de tomates, des petits dés ou des tomates cerises. Quelques cornichons. Et une sauce de votre choix, que ce soit de la mayonnaise ou une sauce shawarma. Personnellement, j'ai choisi une sauce shawarma que je pourrais vous présenter dans une autre vidéo. Voilà, la recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la tester. Elle est vraiment très très bonne, succulente. Et ensuite, likez, commentez et surtout vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis à très très bientôt. Merci de m'avoir suivi.